Parce que le général a décidé de parler, il parle, il dit il va parler aux gens ici parce que là, général, l'interview, ma bribouille, c'est l'interview, Makoso donne des conseils. Makoso parle à, Makoso parle aux femmes qui se plaignent du fait que leur mari les trompe et tout ça. Il reste pas trop alors qu'elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Et je n'ai pris. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le truc? D'abord, il faut que nos femmes. Veuillez m'excuser que je prenne mon temps sous la mer. C'est important. Parler à ces soeurs-là. Faut que les femmes d'abord comprennent. Les filles musulmanes n'ont pas ce problème-là. T'as remarqué, non? Ouais. Depuis qu'elle est petite, on dit Aminata. Quand tu as grandi, Mamoudou va avoir peut-être 3 femmes. Donc, elle grandit en attendant sa rivale. Mais surtout les femmes minces, comme la collaboratrice en face de moi. Si elle, j'ai déjà eu une femme mince, bêtée, qui s'appelait. Comment elle s'appelle la fille même? Mireille. L'histoire de jalousie. C'est-à-dire, on va à l'hôtel. Elle dit, comment je connais l'hôtel? Il dit, mais je ne suis pas vieux. Pourquoi je dis que je ne suis pas vieux? Donc, je suis en bordel. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait de bordel? Mais tu n'es pas vieux. Et puis, tu me suis. Donc, c'est l'esprit. Qu'elle comprenne que dans le sang de l'homme, il y a un don poussé d'adultère notoire. Dès que la femme met ça dans sa tête, elle est préparée. La femme qui est au dehors est une voleuse. Celle qui est dans la maison est la propriétaire. Donc une voleuse et la propriétaire n'ont pas le même rang. Comment la propriétaire gère son affaire pour amener son mari à ne pas sauter la clôture pour aller dehors? Ça dépend. Il y a deux cas. Ouais. Il y a le premier cas où dès qu'ils sont mariés, où elle vit en concubinage, elle pense qu'elle a tout gagné. Mmh. Elle ne sait pas que c'est là que le vrai match maintenant commence. Il ne suffit pas de faire l'entraînement, c'est le match qui est le plus important. Une fois qu'elle rentre, elle commence à avoir le délaissement. Elle commence à grossir. Physiquement, même, voilà, se laisse aller, c'est plus comme au début. Elle s'épile plus. Oh, la chose qu'un homme déteste au monde, c'est quand une femme a des poils. Ah bon? Toi, dis là. Il y en a qui aiment les poils. Je vais vous dire une vérité. Tout homme qui vous a dit qu'il aime les poils, il ne vous aime pas. Il ment. Non, pas du tout. Il ment. L'homme aime quand c'est bien épilé, bien rasé, comme une petite fille de 16 ans. Vous allez vieux, les hommes, les petites filles là. Ils aiment ça. Maintenant, toi, tu viens, mais tu oublies des choses, surtout les chrétiennes. Pas plus bête que ces femmes-là. Faut qu'on les délivre. Même les petites, tu l'injettes là. C'est-à-dire, au dire, il y a des petites choses. Là. Quand tu portes ton caleçon, tu mets une lingette dessus. Ça permet de rafraîchir, mamie, tout. Un protège. Voilà, un protège. Elle connaît pas ça. Elle connaît pas ça. Elle disait ça, non? Il y a beaucoup de femmes qui vont à l'église, qui font alléluia, mais même des femmes, ils voient une qui m'écoute, qui ne connaissent pas. Elles sont bizarres. Elles transpirent, elles travaillent, elles viennent, ouais. Comportement. De... Et puis le monsieur, quand il arrive, avec tous les petits modèles maintenant qui existent à gens, quand elle marche comme ça, derrière, fait alléluia, amen. Le gars, il voit tout ça, il rentre à la maison. Madame, faut le violer. Un homme, il peut être chrétien, il peut jeûner, il peut payer. Mais il y a une seule partie de son corps qui n'est pas chrétien. C'est Papy tout le magnifique. Il ne va pas à l'église. 40 jours de jeûne, il est toujours debout. Il n'a pas dormi. Cousin, c'est comment? Une femme qui contrôle le sexe de son mari contrôle son homme. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière. Qu'est-ce arrête ça? Tu ne vas jamais jeûner, prier. Tu jeûnes, tu pries, tu deviens un pasteur. Voilà, donc tu as devenu maman pasteur. Le monsieur, c'est un homme. Et puis il faut savoir faire aussi la part des choses. Il ne faudrait pas prendre nos problèmes que nous avons pour les ajouter dans la nuit. Non! Mamie tout et papi tout n'ont rien à voir dans nos problèmes quotidiens. Le soir, ils veulent s'amuser. Laissez-les s'amuser. Parce qu'une femme, j'explique une chose. Pour avoir passé 16 ans avec ma femme, d'accord. Faut pas croire que c'est parce qu'elle prie. Hein. Non! Et puis, mais je lui ai dit que ça là, j'aime ça. Faut savoir le faire. C'est tout. C'est tout. Mais quand je finis de prêcher comme ça là, c'est la seule chose qui me détend, qui me ramène sur terre, qui fait que je suis plus spirituel. Donc c'est important. Mon frère, faut pas se mentir. Tu es garçon, je suis garçon. Quand c'est bien fait. L'émission, l'émission, on va tuer. Il arrive à la radio comme ça. Il dit, tu es un esprit.
aller se recoucher dans la main de la Kiza qui est dehors pour qu'elle puisse te bercer pour dire ah vraiment. Mais elles sont douces, oui. Parce qu'elles savent que tu dois payer le loyer. Donc elles sont douces. Quand tu viens comme ça, elle dit concours, faut la pardonner. Caresse la tête. Je te dis, mais quand tu rentres à la maison, c'est ça qui fait le premier problème au niveau des femmes. Il ne faut pas qu'elles aient de poils et puis il faut qu'elles sachent que le mouvement. Papito et mamito doivent se faire. C'est la partie du film. Tout homme rêve. Et puis aussi, il y a des. Et si l'on peut tout dire. Voilà. Vous savez, les hommes, un homme, même s'il t'aime, que tu es une femme nulle au lit, il ne voudra pas te le dire. Parce qu'il a fini de jouir. Oh, il doit te le dire. Et les femmes, quand tu vas lui dire, il va dire non, tu es gâté. Il n'est pas chrétien. Là-bas, là. Donc, on doit être gâté. Une femme doit être une bonne épouse, mais une véritable salope lorsqu'on arrive à 2h et 3h du matin. Les petites techniques d'approcher l'homme en marchant comme une petite chatte. Le lapin de la partie des orteils. Jusqu'à remonter au niveau de la cuisse, attraper les couilles du monsieur. Avec la petite léchette et sa langue pour que les testicules deviennent bien durs. À partir de cet instant précis, le monsieur, il est prêt à parler en langue. Le ricofon va voir se manifester. Merci, ma il... Merci, ma Bonsoir, le général. On ne peut pas aller plus loin. Le général. On m'a demandé de parler. Non. C'est pour ça que je parle. J'ai expliqué un peu la chose comme ça. Ouais. Maintenant, voilà. Il y a su l'homme. Le papitou, il y a le chapeau qui est là. Il y a des femmes qui savent. Elles souvent veulent faire, puis on sent les dents, ça énerve. Ah, qu'on n'aime pas. À demander. Les petites filles qu'on voit, les gars d'une nation sereine des oeufs, tu appelles une, tu dis, maman, comment on fait ça? C'est tout. Il va t'apprendre. C'est de là. Cette partie-là, c'est de là. C'est d'accord. Un film que vous allez réaliser. Donc, il n'y a pas honte d'état. Déjà, ton caleçon est là, son caleçon enlevé. Il y a quel honte. Vous devez le faire avec une harmonie. T'as dit, quand vous finissez, vous dites vraiment, on a réalisé un film. De temps en temps, vous pouvez mettre le téléphone, vous filmez bien pour voir les partout, ça n'a pas bien. Mais si tu as laissé que tu as amené ton téléphone chez les réparateurs, il y a un seul gars. C'est gâté sur toi. Voilà. Donc c'est important parce que c'est le seul élément qui permet à un homme d'être détendu. C'est le seul élément qui permet à une femme de se réveiller à 5h du matin et de bien valer la maison. Lorsqu'une femme a été correctement. Mais il y a des hommes aussi, on parle souvent des femmes. Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui souffrent. Vous voyez, les femmes, elles sont là comme ça. Elles sont, même femme, elle est là, elle sait, jamais elle est là. Faut faire attention. Hein. Elles aiment ça. Surtout quand il est bien dur. Des pénétrations stratégiques, pas des viols. Parce qu'il ne faut pas aller avec une femme. Il faut la faire jouir. Il y a des femmes qui sont allées marcher des couillons comme ça. Ils sont assis à main, ils n'ont jamais fait jouer les femmes. L'animal, le sauvage, il vient monter sur elle. Coucou, coucou, coucou. Et puis il pense qu'il fait bonne chose. Et il pense qu'il a fait bonne chose. Il faut réveiller les quatre points cardinaux de la femme. Le corps de la femme est comme un piano. Le rotémi, la soute. Il faut toucher les notes. Par les tétons. Par les lèvres supérieures, avec le pouce qui pousse la première vitesse, la deuxième vitesse, par des côtés stratégiques. La femme, quand elle se lève, même si tu n'as rien, ses parents vont lui dire, on ne veut pas te voir là-bas. Elle dit, papa, si c'est ça, la femme le tue. Elle va partir. Généralement. Avez-vous une autre question, cher ami? Oui. Je suis à votre disposition. Alors, Général Makoso, oui, il y a des personnes qui ont envie d'être riches. Ouais, et puis qui prie, non, parce que après on va revenir dans la question directe aux endroits. Est-ce que le général a des endroits spécifiques où le moussage peut se faire? Voilà, où comment ça peut se faire? Non, ça va venir, ça c'est la question directe. Parce qu'on a parlé des lieux, on a parlé des techniques. Est-ce que c'est à la maison toujours qu'il faut. Il faut toucher, délocaliser un peu. Non, je vous ai dit, c'est un film. Dans le film, il faut plusieurs scènes. Quand vous êtes trop habitué à la maison, ça gâte le mouvement. Mmh. Même dans la maison, il y a la chaise, le fauteuil, la table, cuisine, la douche. Tu vois, non? Maintenant, vous créez maintenant un autre concept. La voiture, la piscine. Voilà. La plage, on va ailleurs. Ça réveille l'amour. Ça crée des souvenirs qui font en sorte que lorsqu'il y a des problèmes. Go! On dit si, il m'en veut. Il n'y a pas perdu. Voilà! Il y a des hommes là. La femme est partie. Quand tu le vois, il pleure là.
C'est pas fait de nourriture. C'est parce qu'il s'est dit qu'elle est en train de gémir. Quand elle gémissait avec lui, ça peut le tuer. Il y a des femmes, là, l'homme est parti là. Elle se bat, elle s'en va. C'est pas parlable. Elle connaît la compétence notoire de l'homme. Ouais. Donc il faut griller le cadre. Mais des couples aujourd'hui sont devenus malheureux, surtout ces chrétiens-là. Ils me font pitié. Et pourquoi spécifiquement les chrétiens? Il le connaît. On parle pas de ça à l'église, c'est des gars ces gens-là. Maintenant qu'ils voient un homme qui vient les enchequeter un peu, non, ben ils sont coincés. Oh, les mamans passent, les tantes m'appellent, elles me disent, Marcos, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Le gars, les tuyaux ont été chassés, demain il est fou, il est fou. Voilà. Donc c'est l'un élément clé des femmes. Ils disent, non, c'est pas le seul élément. Quand on voit une femme qui dit, c'est pas le seul élément seulement là, c'est que son mari est impuissant. Elle ne sait pas comment elle le défend. D'accord. Voilà. Elle a dit, ouais, d'accord. Là, tu as compris? C'est le meilleur vibe nature. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est clair. C'est clair. Les auditeurs écrivent aussi la musique. Ils aiment ça. Ouais. Non, parce que c'est... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez m'écouter attentivement. Voilà. Pendant que vous m'entendez augmenter votre radio, appelez vos voisins, vos amis, dites-leur qu'ils sont en train de commettre le péché le plus grave de leur vie. Ils ne sont pas sur 94.6. Maintenant, on doit se parler. Les bêtes dans les bêtes. Un Ivoirien en Côte d'Ivoire qui n'a pas réussi financièrement, je pense que cet individu mal intentionné est un sorcier. Ah ouais. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ok.